et welcome dans un nouveau vlog. Vous allez me gronder, j'ai oublié de vlogger hier, donc il y aura un jour en moins. Sorry. Bien plus, je vois rien avec ces lunettes, elles sont sales. Comment je fais pour voir depuis des heures avec... Ouais, hier j'ai eu une journée à 1000 à l'heure et j'ai complètement zappé de vlogger. Ça m'est complètement sorti de la tête, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la première fois que ça m'arrive depuis un long moment. Donc voilà, je me rattrape aujourd'hui, mais là il est déjà 15h30. J'arrête pas depuis ce matin de bosser sur le vlog de Rome qui sera déjà sorti normalement au moment où vous verrez ce vlog. C'est long, c'est très long. J'avais une heure de rush et je suis descendue à 22 minutes, c'est pour vous dire. Et donc là, je suis en train de rajouter les musiques, les sous-titres, parce que j'ai mis des sous-titres à des moments parce qu'on m'entendait pas bien. Les zooms, des zooms. Il faut après que je rajoute les effets sonores quand des titres arrivent, etc. Et normalement, après, j'aurai fini. Il faudra que je fasse la miniature. Bref, pour le moment, c'est pas fini. J'avance. Franchement, j'ai quand même fait une bonne partie là. Donc je suis contente. J'espère qu'il vous plaira parce que j'ai mis beaucoup de temps dessus. Hein, on va pas se mentir. Et j'ai surtout essayé de vous filmer le plus de choses possible en très peu de temps. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ou à aller commenter la vidéo du vlog, ça m'aide beaucoup. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, j'ai lu pendant une heure. Je reprends petit à petit la lecture. Comme je vous ai dit, je me laisse quelques jours où je peux déborder au mois d'octobre pour finir des lectures pour le mois de septembre, pour pouvoir en fait vous filmer la vidéo sur mon update lecture, pour éviter de rien vous présenter en fait dans cette vidéo. Et j'ai pas envie de faire une vidéo pour deux mois, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de faire une vidéo fin octobre ou début novembre pour faire septembre-octobre en update lecture, ça risque d'être trop et je sais pas, j'ai pas envie. Donc là ce matin j'ai continué Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622. J'ai pas le nombre de pages, c'est sur mon Kindle, mais j'en suis à 39%, on va dire 40% du livre, donc j'avance quand même, voilà, c'est déjà pas mal. Et surtout je rentre enfin, parce que j'avais beaucoup de mal avec cette lecture, je rentre enfin dans la phase où bah je me vois pas passer les pages en fait. Et donc ça, je sais que quand c'est le cas avec mes lectures de Joël Dicker, ça va se lire très vite par la suite. Mais j'avoue que c'est le premier roman de Joël Dicker, j'en ai lu deux, donc ça c'est le troisième, c'est le premier où... Oh, j'ai du mal, mais je pense que c'est parce que vraiment j'aime pas les personnages. Voilà, j'adore bah, le romancier, l'écrivain dans l'affaire Alaska Sanders et la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et en fait, dans l'énigme de la chambre 622, on suit Harry Kéber en fait. Et Harry Kéber, je l'aime pas. Donc, parce que je l'aime pas, mais je suis pas très attachée à lui. Donc c'est un peu plus compliqué. L'histoire là commence un peu à me botter. Et juste au moment où j'ai commencé à m'attacher à un des personnages, et ben c'est là que j'ai commencé à lire très vite. Donc vous voyez, quand je vous dis que il faut que je m'attache au personnage pour lire vite, c'est pas une blague. Quoi d'autre? Je crois que j'avais d'autres choses à vous dire. Oui, j'ai un truc à ouvrir avec vous. Attendez, parce que j'attends un collier Amazon. Bon, il est pas pressé. J'ai oublié de vous montrer ça. J'ai reçu ça de Sephora Collection, Beauty Power for All. Et en fait, regardez, c'est trop mousse. Tada! Donc c'est parmi leurs best-sellers, leurs meilleurs produits. Donc on a le tonique anti-imperfection. Et ça, je pense que ça peut être pas mal pour les points noirs. Donc je vais le tester parce que je mets... Ah, quoi que, il y a du niacinamide. Bon, à voir. Parce que moi, je mets ça. Voilà. Je mets ce sérum sur mon nez pour les points noirs. C'est le sérum anti-imperfection à l'acide salicylique et au AHA, et je l'adore, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Pareil sur les boutons, il est génial. Si vous avez des boutons, vous en mettez uniquement là où vous avez des boutons et vous allez voir qu'en quelques jours ils vont partir. Ensuite on a le super sérum éclat que j'aime beaucoup, je vais vous le garder pour vous le faire gagner. Il y a quelques produits que je vais garder pour vous hein. Par contre là il y en a un Mineral Compact Foundation, je crois pas l'avoir déjà testé, c'est la teinte beige moyen. Bon, alors déjà de base je suis fort peu bronzé, mais cet été j'ai pas beaucoup bronzé, donc bref, je vais le garder pour une période de ma vie où j'aurai plus de couleurs. Et enfin pour terminer, on a le mascara Big Bag Definition, pareil je pense que je vais le garder pour vous, donc je vais pas vous le montrer, je vais pas l'ouvrir, je veux dire. On a un rouge à lèvres mais que j'arrive pas à sortir. Ok, c'est la teinte Explosive Game, je sais pas si je l'ai, donc par précaution je ne vais pas l'ouvrir et je verrai si jamais je l'ai pas, je le testerai, si je l'ai je garderai pour un potentiel concours bientôt, puisque ça va bientôt être les fêtes. Je fais une petite pause dans mon ménage. J'ai reçu un livre à unboxer. Punaise, l'enveloppe elle est défoncée. Je pense que c'est un Victoria Schwab. Oh my god! Donc,
de chez Lumen, de Victoria Schwab, This Savage Song. Ça va être, il me semble, une duologie. J'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de le lire maintenant, mais je peux pas, il faut absolument que je termine une lecture avant. Attendez, j'ai reçu des goodies parce que j'ai eu le petit fascicule avec. Il y a des goodies, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, il y a des petites notes, j'ai pas envie de lire pour pas me spoiler. Par contre, on a une chanson. Monstre, monstre, petits et grands, ils vont te dévorer vivant. Corsaï, corsaï, crocs et griffes, ombre et os, tes corches vifs. Malkai, malkai, sourire tranchant, montre tes crocs et boive, montre les crocs et boive ton sang. Sunai, sunai, yeux de charbon, vole ton âme d'une chanson. Monstre, monstre, petits et grands, ils vont te dévorer vivant. J'ai aussi reçu cette petite chose qui est une pièce, Verity City. Ce médaillon vous place sous la protection de Callum Harker. Oh, c'est méga stylé, oh là là. Et derrière, il y a écrit V.I. Schwab, The Savage Song. Dans le monde où ils vivent, même les ombres sont les griffes, ont les griffes acérées. C'est trop beau, je vais le garder précieusement, j'adore. Du coup, ce nouveau roman, que je vous en parle un petit peu, ok? Il sort le 13 octobre, donc pas encore quand ce vlog sortira, mais peu de temps après. Il sera vendu au prix de 17 euros et c'est bien ce que je vous disais, c'est une duologie, c'est confirmé. Au niveau du résumé, comme toujours, j'évite de pas trop lire le résumé derrière les romans Lumen parce qu'ils disent beaucoup beaucoup de détails, donc si vous avez besoin d'avoir pas mal d'informations avant d'acheter un livre, c'est bien, mais si vous voulez pas vous spoiler, c'est moyen. On est à Verity. Et il y a plein de crimes qui se déroulent là-bas, sauf qu'à chaque fois qu'il se passe un truc horrible, il y a un monstre qui naît de ça, de cette horreur. Et il y a un mec qui va essayer de combattre ces monstres. Je crois que c'est ça que j'avais lu, je vous fais un résumé très très gros. J'attends de le lire pour vous faire un résumé un peu mieux sans vous spoiler. Mais regardez le détail d'édition qui est absolument magnifique. Au début quand j'ai vu la photo, je pensais que c'était juste comme ça, mais... trop beau. Et je viens de voir qu'il y a une carte... Je vais péter un câble, il est magnifique, il est magnifique. Ça respecte les codes de Victoria Schwab puisque nous avons le noir, le blanc et nous avons le rouge. J'ai trop hâte de lire. Bref, je suis méga contente, merci beaucoup Lumen et je ne vais du coup pas regarder ça parce que j'ai peur de me spoiler puisque nous avons des petites informations, notamment une carte encore là-dessus. Donc je me réserve ça dans le roman et j'y jetterai un œil une fois que j'aurai un petit peu plus découvert l'histoire. Et j'aime beaucoup la matière du dessus du livre. Vous pouvez pas trop vous rendre compte, mais c'est un peu soft touch, c'est hyper agréable. Le travail d'édition est absolument incroyable comme d'habitude. On commence bien la journée, enfin il est 16h30 donc on la commence pas, on la continue. Hier, j'ai pas arrêté de monter le vlog à Rome. Je suis assez fière de mon montage, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. J'ai trop kiffé la montée. Et ce matin, j'ai lu pas mal et ensuite j'ai préparé ma journée et j'ai filmé ce look que je porte actuellement qui est très simple, mais c'est parce que ça va être une vidéo make-up challenge. Donc voilà, ça sortira normalement le mercredi qui suit de ce vlog. Et là je vais aller me remettre au ménage, j'avais pas énormément de ménage à faire mais comme ça au moins je le fais petit à petit. Hier j'ai fait un gros mental breakdown, je pense que mes hormones en sont fortement responsables. De toute façon j'attends le cap des 3 mois pour vous faire mon retour sur le stérilet, tout ce que j'ai eu comme symptômes etc. Je suis en train de prendre des notes à chaque fois avec des dates pour m'y retrouver, mais voilà. Alors c'était un petit peu moins intense qu'avant. Mais hier littéralement vous aurez dû me voir, j'étais en train de pleurer et j'ai refait mes ongles parce qu'il y en a un qui s'est décollé, donc mental breakdown plus encore, ça s'est rajouté. Et donc j'étais là, c'est mort, je vais refaire mes ongles et j'étais en train de mettre mon vernis et j'étais en train de pleurer comme une madeleine en mettant mon vernis. Je me dis mais là on dirait une scène de film d'une comédie romantique où la meuf vient de se faire jeter et elle est là, elle veut quand même faire la bad bitch, vous voyez. Vous allez être super fiers de moi parce que mes mains ça va beaucoup mieux, je fais super attention. Mes petits gants en coton ça fonctionne pas mal pour les personnes qui ont les mains très sèches par exemple en hiver, je vous recommande, c'est pas mal. Bref, donc j'ai refait mes ongles, je vous montre un peu parce qu'en fait là tout de suite vous allez pas vraiment vous rendre compte, mais voilà la couleur, c'est un doré. Là ça fait très foncé, mais dès que vous mettez un flash,
Je sais pas si vous allez bien voir, je vous mettrai une vidéo au pire des cas. Mais c'est magnifique avec un flash. C'est un kit de vernis que j'avais acheté sur Amazon. Il est plus dispo actuellement. Je vous mettrai quand même le lien et normalement ça devrait réapparaître à un moment. C'est de la marque Your Sugar et vous pouvez les trouver sur AliExpress aussi. Mais pour les personnes qui n'ont pas envie de passer par AliExpress, vous pouvez les trouver sur Amazon en un peu plus cher. Mais la livraison est beaucoup plus rapide. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut, mais je vous donne l'info. Bref, tout ça pour dire que hier c'était la merde. Donc aujourd'hui j'ai décidé que j'allais prendre une journée chill, voilà, pour ma tête. J'ai envie de lire, j'ai envie de regarder des films, donc on va faire ça. Il faut juste que j'envoie 2-3 mails. J'ai fait du vernis doré parce que la semaine prochaine j'ai un événement très très cool et je me suis offert à moi-même une nuit dans un hôtel assez stylé avec un spa et tout. Comme ça je vais pouvoir bien profiter, ça va me faire du bien je pense. Donc c'est une soirée avec la marque Drunk Elephant que j'adore, vous le savez. Donc je vous montrerai tout ça bien entendu dans le prochain vlog. Et j'ai acheté une robe dorée, je vous garde la surprise de la robe, elle est trop belle. Et du coup j'ai voulu faire des ongles dorés qui vont avec, voilà, donc pour la petite histoire. Bref, je vous ai pas pris pour vous parler ça de base, enfin si, pour faire un petit point forcément. En fait je me baladais sur TikTok ce matin. C'est pas la première fois que je tombe sur ces vidéos là, mais là voilà, ça m'attire un peu plus. C'est une personne qui parle de la synesthésia, mais en français c'est synesthésie. C'est difficile à diagnostiquer, c'est difficile à savoir le nombre de personnes exactes qui sont concernées par cette chose. Mais en fait c'est quelque chose de neurologique qui associe deux, parfois plus, sens entre eux. On associe souvent la synesthésie aux personnes qui, du coup, enfin si je dois vous illustrer, vous imaginer la chose, imager pardon, c'est comme si je vous dis, pour vous dans votre tête, de quelle couleur est la lettre A. Il y a des gens pour qui vraiment ils ont une vision précise de ces choses-là, et je sais que c'est quelque chose dont je parlais quand j'étais beaucoup plus jeune, et je racontais ça à ma mère, elle me regardait en mode mais t'es bizarre genre. Et c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à expliquer. Je suis trop contente de pouvoir mettre un mot dessus en fait. Et c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est concret chez certaines personnes. Là notamment en fait la vidéo, pourquoi ça m'a intriguée, c'est parce qu'elle parlait de à quoi ressemblent les moi. Ce que je vais vous dire va peut-être pas avoir de sens pour vous, peut-être pour certaines personnes qui se retrouveront. Moi par exemple dans ma tête je visualise le calendrier d'une certaine manière. Et je vais vous faire un dessin du coup pour que vous compreniez. J'ai pris mon petit carnet et donc cette personne là elle avait vraiment écrit les moi d'une certaine manière, disposé d'une certaine manière, et c'est comme ça qu'elle les visualisait. Moi il faut savoir que je ne les visualise pas d'une certaine couleur quand je visualise les mois dans leur ensemble. Je sais ça va paraître très bizarre ce que je vais vous dire, je vais passer pour une folle, mais par exemple pour plein d'autres choses j'associe parfois des couleurs. Par exemple pour moi les maths, la matière des maths, des mathématiques, pour moi c'est bleu. Et c'est marrant parce que sous cette vidéo il y avait pas mal de gens qui disaient ouais, pour moi c'est bleu. Les maths pour moi c'est bleu, le français pour moi c'est rouge, et je sais qu'il y a plein de gens qui ont trouvé ça bizarre, mais voilà, dans ma tête c'est comme ça. La lettre A par exemple je la vois rouge. Et en fait la synesthésie il faut savoir que c'est quelque chose qui est... c'est instinctif en fait, c'est pas vous vous posez, vous dites ah la couleur, la lettre A je lui donnerais bien cette couleur. Non c'est en fait c'est dans votre tête, vous le visualisez comme ça et vous l'avez toujours visualisé de cette manière. Donc moi par exemple les mois de l'année je vais vous montrer. Donc il faut savoir que déjà moi chaque mois je les vois dans un rectangle. Donc moi janvier commence en haut à droite chez moi, ok. Ensuite on a février, et je vais pas avoir assez de place mais on va déborder. Février qui est juste à côté, pareil, de la même taille et toujours un rectangle. Ensuite on a mars, toujours, c'est très linéaire. Ensuite on a avril, même chose. Et je sais pas comment vous dire, c'est que je le visualise vraiment comme ça dans ma tête. Dès que je dois me projeter sur quelque chose, sur une date, je visualise ça dans ma tête. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, bref. Ensuite, mais je trouve ça important d'en parler parce que moi ça m'a fait du bien de voir des gens qui étaient pareils. Donc je me dis peut-être que ça va aider certaines personnes. Avril, mai, après on arrive à juin, et de janvier à juin c'est la même chose. Linéaire dans ce sens là et pas du tout de la droite à la gauche. Pas du tout de la gauche à la droite pardon, toujours de la droite à la gauche. Et ensuite c'est là que ça prend une proportion très étrange. C'est qu'on passe à juillet, août, septembre, que je mise sur la même ligne mais je sais pas bien sûr. Mais ils ont dans ma tête la même taille. Bon là j'ai du mal à faire quelque chose de très carré, mais vous allez comprendre. Voilà, dans ma tête, juillet, août, septembre, ils sont de la même taille, mais ils sont en ligne comme ça. Toujours des rectangles. Et ensuite, on va passer à octobre. Octobre qui redevient de la même taille, la même forme, voilà je fais n'importe quoi, que la première ligne. Novembre, décembre.
Voilà. Moi, je visualise une année comme ça. Et une fois qu'on passe à décembre, là, il y a un... c'est comme un vide. On fait un bond et on va jusqu'à janvier de l'autre côté. Et genre, ça me fait trop du bien de, déjà de parler de ça parce que, et d'avoir vu qu'il y a d'autres personnes qui ont ce genre de pensée aussi et qui visualisent différemment, et je trouve ça hyper intéressant à regarder. Mais voilà, et des fois je tombe sur ces vidéos là qui disent par exemple le nombre 29, vous le voyez de quelle couleur? Moi instinctivement je vous dis jaune. Je sais pas pourquoi. Voilà, et j'ai trouvé ça super intéressant, donc je me suis intéressée à la chose. Alors il y a plein de formes de synesthésie différentes. Mais voilà, je voulais en discuter avec vous un petit peu. Je trouvais ça grave intéressant de parler de ça. Comme je vous ai dit, là, je vais aller me poser tranquillou. Tranquillou pilou, je vais aller continuer ma lecture. Parce que comme je vous ai dit, je vais essayer de terminer Joël Dicker, l'énigme de la chambre 626, 622. Pourquoi je vous dis tout le temps 626? Comme je vous avais dit, ça a traîné un peu en longueur au début, mais là ça commence à un peu bouger pas mal. Et là on rentre dans la complexité des lectures que j'aime, où on a pas mal de personnages, pas mal de passifs, de choses, de mystères. On s'attache à un personnage, après on va peut-être pas, puis après et je trouve ça hyper bien fait. C'est une des forces de Joël Dicker, je trouve. Donc très contente. Et en lecture audio, j'ai commencé il y a très peu de temps, puisque j'ai toujours mon abonnement Audible. D'ailleurs, franchement, pour les personnes qui aiment bien écouter des livres, oui, on peut écouter des livres aujourd'hui. Audible, c'est très cool, parce que vous payez 9,95€ par mois, et vous avez un livre, peu importe le livre, en fait, vous avez un crédit audio à dépenser dans le mois pour le livre de votre choix, parmi tout le catalogue Audible. Donc ça peut être même des nouveautés et tout. Et en plus de ça, vous avez aussi des lectures qui sont gratuites, accessibles dans votre abonnement. Par exemple, tous les Harry Potter, il me semble, ils sont dedans. Mais vous pouvez aussi acheter des livres à l'unité comme ça, hein, sans être abonné, mais ça vous coûtera plus cher. C'est pour ça que souvent, je trouve que l'abonnement, c'est vachement plus intéressant. Puisque je crois qu'un livre audio à l'achat à l'unité, ça doit être dans les 12€, un truc comme ça. Et donc, quand vous prenez l'abonnement, c'est 9,95€. Donc, c'est plus intelligent de faire comme ça. Et vous avez aussi des fois des offres, genre 3 crédits audio pour le prix de 2, enfin bref. Voilà pour la petite note, donc je vais aller bouquiner, je vais aller regarder des petites séries, des vidéos YouTube. Et j'avais aussi envie de vous proposer, est-ce que ça vous tente une petite vidéo par mois? Je sais pas si j'arriverai à le faire tous les mois, mais une petite vidéo par mois où je vous fais part de mon recap, de tout ce que j'ai lu, écouté... vu, aimé durant ce mois en mode favori, mais pas juste favori make-up, skincare, mais vraiment en mode bah, les livres que j'ai lus, qu'est-ce que j'ai bien écouté, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai pas trop aimé, etc. Plus en mode recap. Est-ce que ça vous tente? Parce que j'ai vu ça sur Instagram, j'ai trouvé le concept très cool. C'était sous forme de post photo normal, hein. J'ai trouvé ça sympa de pourquoi pas le faire en format vidéo. Voilà, je vous balance l'idée, vous en faites ce que vous voulez. J'ai acheté des livres pour Noël. Nous sommes le 7 octobre et j'ai acheté des livres pour Noël. Je sais pas pourquoi, je suis dans le mood, j'ai envie de lire des romances de Noël et j'ai envie d'en acheter. Sorry. J'ai pris un Emily Blaine parce que je pense que c'est un classique. Il me semble en avoir déjà lu un. Et celui-ci, c'est Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Ça me va bien. C'est un Harper Collins poche, ils sont tous les trois en poche. J'ai pas très envie d'acheter des grands formats pour des romances de Noël. On va pas se mentir, on lit pas des romances de Noël parce que l'histoire est incroyable, on lit des romances de Noël parce que c'est cute, parce que c'est mimes, parce que ça nous met dans l'ambiance. L'histoire, c'est Nicolas qui rencontre Louise, et quand ils se sont rencontrés, c'était vraiment, ça s'est passé un peu n'importe comment. Je crois que Nicolas, c'est un guitariste de rock assez célèbre, donc voilà, c'est un peu un charo. Louise, elle est assez différente des femmes qui l'attendent, l'habitude de côtoyer, et en fait il va se faire passer pour son faux petit ami. Alors je ne sais pas comment ça va se dérouler cette histoire, mais bon, il va arriver à ce stade pour les fêtes de fin d'année. On connaît un peu le délire, et donc ils vont devoir faire passer du coup les vacances ensemble des fêtes de fin d'année, et voilà. Donc on connaît les petites histoires de... à mon avis d'ailleurs, je pense qu'ils vont se détester au début, donc peut-être qu'on est sur une petite enemies to lovers, mais on verra. Je me suis dit qu'Emily Blaine c'était une valeur sûre. Ensuite j'ai pris Noël au pays des bretzels de Anna Fitzbell. Pourquoi? Déjà parce qu'il faut savoir que je suis née en Lorraine, et moi les bretzels ça me parle. Là ça va se passer en l'occurrence en Alsace. Moi je mets un peu les deux ensemble, je sais que ça n'a rien à voir, comment c'est pas
canapé. Et donc forcément, bah voilà, les bretzels, c'est ma vie. Donc je sais pas, ça m'a parlé. C'est Daphné, c'est une médecin généraliste et elle a l'habitude, tous les hivers en fait, elle fait un remplacement en Martinique pour éviter justement de se coltiner le froid. Malheureusement, son déplacement va être annulé et le seul job qui lui reste qu'elle peut prendre, c'est un poste en Alsace. Et elle va devoir être hébergée par Mathieu, père célibataire, qui a un chien. Alors forcément, on est à fond. Bref, je me suis dit que ça allait être très mims. J'aime beaucoup la couverture, je trouve ça très joli. Et puis voilà, c'est un petit roman pas très long, petit roman sympathique, mime, c'est tout. C'est exactement ce que je veux à cette période de l'année, donc. Et apparemment, c'est un inédit de chez J'ai lu. Donc ça, c'est chez J'ai lu. Et un autre de chez J'ai lu, j'ai pris de Julia Quinn, Lisa Kleypas et Kinley McGregor, Un héros pour Noël. Donc c'est un roman qui contient 3 nouvelles. J'aime bien, j'adore lire ça à Noël parce que c'est des petites histoires courtes et tout, et c'est agréable. Et puis ça permet aussi de découvrir des auteurs. Là, on va suivre donc 3 histoires différentes, comme je vous ai dit. La première, c'est un célibataire endurci pris à son propre piège. Je vous lis exactement ce qui est lu. Je sais pas, c'est Julia Quinn. De Lisa Kleypas, on va suivre un ténébreux médecin. Et pour la troisième histoire de Kinley McGregor, on suit un chevalier qui écrit des lettres d'amour enflammées à une inconnue en se faisant passer pour un autre. Voilà, ça me fait penser un peu à Cyrano de Bergerac dans l'idée, mais voilà pour cette petite lecture. Donc on a un peu tout, je pense un peu tous les styles, mais ça reste des romances et ça reste des comédies romantique de Noël, voilà tout ce qu'on aime. Donc je vous les mettrai en barre d'infos, mais très contente de ces petits achats. Et puis vu que c'est des poches, ils étaient pas très chers, j'en ai pris 3, mais super mise. M'en voulez pas trop. J'ai continué bien entendu ma petite lecture de Joël Dicker. D'ailleurs, je me suis acheté des protections d'écran pour mon Kindle parce que je supporte plus les traces de doigts, là c'est en train de me faire péter les plombs. Et j'ai pas envie de rayer l'écran parce que j'ai déjà rayé l'écran de mon ancien Kindle. J'en suis à 62%, j'ai pas trop avancé depuis hier, mais il faut absolument que je le termine demain, donc on va charbonner, ok. Et comme ça dimanche, je peux filmer le book haul et vous publier lundi. Donc normalement, la vidéo qui suit de ce vlog, c'est le book haul update lecture. On croise les doigts, ok? Cross the fingers. Et je voulais vous parler d'un truc. Pour les personnes qui suivent Taylor Swift et qui aiment Taylor Swift, vous avez dû voir que du coup il y a un nouvel album qui va sortir là fin octobre. Je suis comme une malade, j'ai envie de péter un câble. Le 21 octobre. Mais ça va arriver trop vite, c'est dans 2 semaines. Du coup je suis à fond et elle a enfin annoncé les titres de ses musiques de cet album. Là il y a genre 48 minutes parce qu'elle l'avait pas du tout annoncé. Donc du coup des titres, il y a 13 titres. Faut savoir que le chiffre 13 est le chiffre préféré et porte-bonheur de Taylor Swift. Et donc forcément, elle a publié la tracklist aujourd'hui parce qu'il reste 13 nuits. C'est une malade. Et il y a 13 titres dans cet album. Et je pense que l'album, je pense que le titre qui m'intrigue le plus, et comme tout le monde, je crois, qui est fan de Taylor Swift, c'est Karma. Karma, wesh. Elle a écrit une chanson qui s'appelle Karma. Anti-héros, j'avoue qu'elle me botte pas mal, surtout de ce qu'elle en a dit. Je crois que ça fait quand même beaucoup référence au syndrome de l'imposteur qui me parle beaucoup. Je sens que cet album va être incroyable, j'ai hâte de l'écouter. Je vais comme une dingue, je vais être comme une dingue. Aujourd'hui, le programme, j'ai pas mal de choses à faire, bien sûr, comme d'habitude, et enfin, surtout parce que hier j'ai pris une journée off. Donc aujourd'hui, l'idéal ce serait de filmer 2 vidéos. J'aimerais beaucoup du coup filmer ma vidéo favori Amazon numéro 2 pour faire l'épisode 2 du coup, qui sortira le lundi 17, donc pas tout de suite mais comme ça je prends de l'avance, et après faire du montage. J'ai commencé à filmer la nouvelle série make-up qui arrivera sur mon compte Instagram la semaine avant Halloween. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, ce ne sera pas des looks d'Halloween parce que je suis une grosse merde avec ça, voilà, il faut dire les termes, il faut connaître ses faiblesses. Je pourrais me lancer un petit défi l'année prochaine si jamais ça vous tente d'essayer de faire des vrais trucs, mais là c'est trop tard. Mais je suis nulle. Je laisse tout ça à Marion Caméléon, la queen, je laisse tout ça à toutes les autres personnes qui sont douées dans ces domaines. Je ne me vois pas vous proposer de maquillage Halloween alors que même moi je les gère pas quoi. Mais j'ai eu envie de vous sortir une mini-série, vous savez que je faisais beaucoup de séries make-up inspirées de films, de séries, etc. Et là j'ai envie de reprendre et on reprend avec un truc assez cool qui fait un peu penser à Halloween mais sans plus, voilà. Ça restera cependant des looks qui sont portables en dehors d'Halloween, voilà. C'est Adeline qui m'a donné l'idée donc j'ai trop hâte de vous sortir ça, j'en ai filmé déjà 1 sur 6.
Et du coup, j'aimerais bien filmer le deuxième, là, demain. L'idéal pour que je sois à temps et en heure pour les publications, il faudrait que je filme 2 looks par semaine avant la semaine de publication. Bon, pour l'instant, on est bon. Normalement, ça devrait être faisable. Sachant que la semaine prochaine, je vais vraiment être à partout à la fois. Ce mois d'octobre va être chargé as fuck. Sur ce, trêve de blabla, je vais aller commencer le montage de la vidéo de mercredi. Est-ce que je vous tease un petit peu les vidéos des prochaines semaines ou pas? Je garde le suspense. J'ai reçu un petit colis Herborion, je l'ai déjà ouvert et je suis trop contente parce que c'est un produit que je voulais vraiment tester. Tadam, regardez comme c'est mime, attendez je vous montre. Ça s'ouvre comme ça. C'est trop beau. Donc c'est la nouvelle huile de nuit Skin Therapy. J'ai vu Gaëlle Garcia Diaz en parler dans une de ses vidéos. J'ai vu pas mal de gens en parler aussi. Et je sais pas, ça me hype de ouf. Déjà, je pense que vous le savez depuis, enfin si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore utiliser des huiles le soir. Du coup, quand il y a des huiles comme ça qui sortent, ça me hype de fou. Oh, j'aime beaucoup le packaging. Regardez, ça s'ouvre comme ça le packaging. Il y a plein d'informations à l'intérieur. Et donc voici la petite huile. Donc dedans, vous avez 17 ingrédients qui ont des spécificités différentes, donc notamment on a le piment rouge pour la luminosité, le yuzu antioxydant, le bambou, l'hydratation, énormément de choses. Et cette huile, elle a pour mission de révéler le plein potentiel de votre peau. Apparemment ça agit déjà dès la première nuit, donc il faut l'appliquer le soir. Autant vous dire que ça me hype de ouf. Et je pense qu'on va tester ça dès ce soir. Bon, j'étais prête à travailler, mais j'ai reçu un colis. Et je pense savoir ce que c'est, enfin non, je sais pas ce que c'est, mais je sais de qui ça vient. Normalement, ça vient de Marion pour mon anniversaire, donc ça a pris un peu de retard. Mais du coup, c'est cool parce que ça fait des cadeaux en différé. Et je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce qu'est la manigancée. Et du coup, je me suis dit que j'allais filmer ma réaction comme ça. Elle verra les choses en direct live. Alors, j'imagine qu'il faut pas que je regarde, il y a un papier... sur ma bibliothèque, il faut vraiment que je fasse de la place. Oh non! C'est une Funko Pop Harry Potter, comme on pourrait le voir. Il faut que je vous raconte l'anecdote parce que je l'ai, vous l'avez pas, mais c'est le Patronus d'Hermione Granger. Et c'est une loutre. C'est une loutre et moi, mon Patronus, j'ai fait le test. C'est pas une loutre, mais c'est un truc qui ressemble un peu à une loutre. Et il faut savoir que j'adore les loutres. Parmi mes animaux préférés, il y a les loups et les loutres. Et du coup, voilà pour le clin d'œil. Merci beaucoup, Marion. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Je vais l'ouvrir parce qu'évidemment, j'ouvre mes pop. Ne me tuez pas. Oh là là, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Hein. Elle est trop trop belle. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Je vais la laisser là, pour l'instant, dans sa boîte. Le temps que je trouve une place. Une de plus à ma collection. J'ai failli pas avoir le mot parce que j'avais peur que ce soit la facture. Donc j'ai pas voulu regarder le papier, mais il y a un petit mot. Et les petits mots, c'est bon anniversaire, bien en retard. Le Patronus de Hermione est une loutre. Je me suis dit que c'était un très joli clin d'œil à notre amitié. Il est vrai. Et moi aussi, j'étais très fort. Et je suis trop contente. Je vais garder ce petit message. Je garde toujours les petits mots comme ça. Je vais mettre dans ma petite boîte à souvenirs. Bienvenue dans ma salle de bain. Je vais tester avec vous du coup l'huile que j'ai reçue de chez Herborian. Mais avant ça, je voulais juste revenir sur ce petit produit Cora que je vous ai présenté dans ma vidéo unboxing Sephora. Puisque c'est une nouvelle marque qui débarque chez Sephora qui a été créée par Miranda Kerr. Rien que ça, bien sûr. C'est une marque qui est bio, qui utilise des ingrédients bio. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Ça m'a beaucoup hypée quand elle en a parlé d'ailleurs, parce que j'ai assisté à la masterclass. Et j'ai reçu ce produit-là ainsi qu'une huile dans l'unboxing, enfin dans la valise Sephora. Donc c'est le masque illuminant et gommant au safran des Indes. Je l'adore. Voilà, il est génial. Je l'utilise 2 fois par semaine. Ça me fait une peau de bébé, genre toute douce. Ça m'illumine à mort le teint. Alors attention, c'est quand même un masque avec des grains assez forts, je trouve. J'ai lu un commentaire qui disait que ça lui avait brûlé la peau. Alors moi, j'ai une peau sensible, mais ça ne m'a rien fait de ce genre. Mais il fait quand même attention. Disons que c'est quand même des grains assez forts, donc frottez pas comme une barbare. Allez-y doucement, vous n'êtes pas obligé de frotter super fort pour que ce soit efficace. Et ensuite, il faut le laisser poser 5 et 15 minutes. Moi, je laisse poser uniquement 5 minutes. Ça suffit largement. Ça a un effet un petit peu frais sur le visage. Moi, j'aime bien l'utiliser le soir parce qu'après, j'aime bien utiliser une bonne huile hydratante derrière. Mais je sais qu'il y en a plein qui le conseillent d'utiliser le matin. Parce que ça a un effet un petit peu énergisant. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, voilà, j'ai utilisé plusieurs fois maintenant. Je pense que j'ai dû l'utiliser 5-6 fois déjà et je l'adore. Voilà, donc je voulais vous faire un petit retour. Je vous montre la couleur d'ailleurs, ça m'avait un peu étonnée. C'est hyper foncé, regardez. Et ça sent la menthe. Ça sent clairement la menthe. Ouais, ça sent le dentifrice, vraiment.
Passons aux choses sérieuses. J'ai l'intention de vous faire une routine skincare très très bientôt. Donc je vous montrerai ce que j'utilise à ce moment-là, bien sûr. Mais j'ai appliqué un sérum, ma crème contour des yeux. Et là, je vais pouvoir passer à l'huile. C'est souvent ce que je fais. Alors déjà, il faut le secouer. Je vais juste faire un point peau avant. Je vous mets le flash. Comme ça, vous voyez ma peau aujourd'hui, là. Tac, tac, tac. Je sais pas si c'est le meilleur truc à faire, mais... Bon, en général, j'utilise entre 5 et 6 gouttes des huiles que j'utilise. Ça suffit... Généralement, déjà j'adore l'odeur. Ça sent exactement l'odeur de la bébé crème de chez Herborian. Il me semble que c'est la même odeur. Là, vous devriez au moins mieux voir déjà. Bon, je me masse un tout petit peu le visage. En tout cas, elle est très très agréable à appliquer. Et puis bah du coup, je vous donne rendez-vous demain matin pour un petit check-up de l'état de ma peau. Bon les gars, on est sur un petit fail quand même, hein. Pas du produit. C'est que j'ai pas assez dormi, donc je pense qu'on verra pas les vrais effets de l'huile, mais ma peau est extrêmement douce, ça par contre. Donc ça, c'est un bon point pour eux, mais je vais le tester de toute façon sur 2-3 semaines déjà, je vous ferai un petit retour. C'est pas du tout sponsor, hein, je l'ai juste reçu gratuitement et j'ai envie de le tester, ça m'intrigue, donc voilà. Et en parlant de soins, c'est pour ça que je vous reprends dans ma salle de bain avec ma tête, oh là là, c'est une catastrophe. J'ai reçu des trucs très très cool, c'est d'autres produits de la marque Cora Organique. Donc on a de la gamme Turmeric Glow, c'est le nettoyant moussant. On a aussi la crème hydratante que j'ai trop envie de tester, sachant que les pots sont rechargeables, donc vous achetez le pot une fois et après vous pouvez acheter des recharges. Ça, je trouve ça très cool. Et enfin pour terminer, j'étais hyper hyper curieuse de l'huile pour le corps parce que je prends absolument pas soin de la peau de mon corps, voilà, je l'admets, j'ai envie de faire un effort et de démarrer une routine pour la peau de mon corps et de vous faire un retour dessus. Je teste actuellement d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, le dry brushing, mais j'ai du mal à le faire quotidiennement. Donc là il faut vraiment que je me mette dans une routine dry brushing, crème et huile, parce que ça ils le préconisent de l'utiliser après votre crème à tester. J'ai vraiment très envie juste de voir la texture. Ouais, ça a exactement la même odeur que l'huile pour le visage, c'est exactement pareil et j'aime beaucoup cette huile, donc à tester. Je vais essayer de mettre ça en place et de vous faire un retour pareil dans quelques temps. Bon, exclusivement pour les gens qui regardent le vlog jusqu'au bout, vous avez un sneak peek d'un look qui arrivera bientôt, je vous dis pas le thème. Voilà, j'ai kiffé le faire, j'ai mis ma petite perruque bleue que j'ai reçu de la part de Insert Name Here il y a quelques temps maintenant. Je crois qu'elle est encore disponible, je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Et pour une fois, j'ai collé ma wig avec du gel, donc je vais bien en chier pour l'enlever, mais j'adore. Je suis assez contente. Alors pour le look, j'avais attaché un peu comme ça, je préfère, ça fait un peu targaryen. Là genre il est 16h30, j'ai toujours pas commencé à monter le vlog, donc il va falloir vraiment que je charbonne. Donc c'est pour ça que je fais l'outro maintenant, et comme ça après je pars en full montage. Merci beaucoup d'avoir suivi le vlog jusqu'au bout, ça me fait toujours trop plaisir que ça vous plaise autant les vlogs. Je pensais pas un jour me lancer là-dedans d'ailleurs, mais bon bref. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, ça m'aide beaucoup beaucoup beaucoup. Merci encore une fois à 1000% pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire également. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.